tous One Piece, on se retrouve pour un nouvel épisode de Horror Kingdom avec Alpierre Tonticelle, je sais pas où il est. Au revoir. Je suis en train de faire des mobs okay. Et Fire Corax qui sont en train de se branler tous ensemble, ouais. Et oui. Et comme je disais juste avant, mais vous, ça fait déjà deux jours. Ouais. Pierre, bon, je suis visqueux. C'est faux. Silence. Ouais, bon, tu n'as rien dit à la fin du dernier épisode, hein, quand je l'ai dit non, en dernier. Tu m'as coupé la parole, tu m'as coupé la parole. C'est là, faux. Attendez. J'ai besoin d'un heal. Bon. Yeah. Ah, t'es où l'heal? Bah non, mais t'es mid life, ouais. Tranquille. T'es où l'heal? Et alors, moi tout à l'heure j'en avais plus. You leak. Les talents de ces gobelins sont vraiment ridicules. Rien à voir avec nous autres, les nains. Ok, tu dis ça à chaque fois. Combien de gardes en armure avez-vous affronté? C'est bon, leak. Vous dites à que vous avez paralysé les gros soldats en armure et que vous avez réglé leur compte aux ingénieurs mécanas qui avaient osé sortir leur tournevis. Ah ouais, mon tournevis? Putain, mais... Voilà, j'attendais. Bref. Bien joué. Par contre, l'énergie ici est manière très instable. C'est peut-être un peu loin du village. Si l'énergie continue à être répandue, cela va commencer à se sentir. Nous, les nains, sommes habitués à mélanger mécanique et magie. Ah, voilà. Pourriez-vous stopper le spam? Merci. Mais non. Ça fait bien longtemps que j'ai quitté la maison non. Et c'est la première fois que j'ai affaire à une source d'énergie aussi puissante. Ça me rappelle que ce qu'on voyait dans mon village natal. Elvik, Suc. Suc. Mais vous êtes tout. Attendez, mais j'arrive pas à vous pirer, vous êtes tout là. Putain. Mais vers Papa Yo-Yo. Je suis vers vous, vers la carte, mais je vous vois pas là. Mais non, je suis vers Papa Yo-Yo, toi t'es à l'autre bout là. Ah, en ce moment, c'est la compétition d'automates dans mon village natal. C'est toujours très amusant, un peu comme la cérémonie du village de Lunarton. Papa Yo-Yo a l'air perdu dans ses souvenirs de son village natal, mais on s'en fout. Papa Yo-Yo, qu'est-ce que c'est ça? Comme j'ai utilisé pour l'arme, j'en prends pour l'arme. Même à cette distance, vous voyez nettement les yeux de Papa Yo-Yo briller. Ils sont concentrés sur la pièce que vous tenez dans vos mains. Vous donnez les pièces détachées à Papa Yo-Yo. Chaque fois que vous commencez des nouvelles recherches, il faut systématiquement des nouvelles pièces détachées. Je ferai un bien meilleur profil lorsque j'aurai ma propre affaire. Bien entendu. Ah ouais. Pourquoi t'as un triplé au milieu du ventre? C'est quoi ce bordel? Chut. Qu'est-ce que tu dis? C'est non, quoi triplé au milieu? Non, mais genre y a des ton nez de long. Hein? Hein? Non, laisse tomber. J'ai pas compris, moi aussi. Non, mais toi. Ah. Oui, il a. Une... D'accord, il a un joyau au milieu du ventre sur son armure là. Bien entendu. T'as moi ton joyau. Je. Précieux. Non, c'est au cas où je suis en manque d'argent, je leur prends. Bien entendu, je ne vous ai pas demandé de détruire ces soldats uniquement pour en récupérer les pièces. C'est avant tout pour empêcher les gobelins de mener leur plan à exécution. Bye. Papa et Yo-Yo se confond en excuses en voyant le regarder avec insistance. Zulong a l'air très intéressé par l'attitude paniquée de Papa Yo-Yo. Oh là, ne me regarde pas comme ça, hein. Vous savez bien que on est loin de la maison. Il faut faire des économies, pas vrai? Ouais. Comment? Je viens moi-même de revenir. J'ai découvert des choses très intéressantes. Papa Yo-Yo sourit fièrement. J'ai trouvé qu'une troupe de sabre-lions se... Ah oh, putain, pas sabre-lions. J'ai galéré à le dire la première fois. Se tirait au fond des ruines. Les sabre-lions sont habituellement vaniteux et ne parleraient jamais avec des gobelins. J'ai donc écouté discrètement ce qui pouvait bien se dire. Ouais. J'ai entendu les sabre-lions écouter des mensonges aux gobelins. Raconter, pardon, des mensonges aux gobelins en leur faisant croire qu'il y avait une machine d'une technologie antique cachée à l'intérieur du temple de la pierre blanche. Nous n'avons jamais été aussi près de découvrir la vérité, Zone Peace. Il faut que vous alliez terrasser ces mystérieux instigateurs. Si plus personne ne donne d'ordre à ces gobelins, ils seront déstabilisés. Accepté. Et faut aller où? Bah, c'est dans l'instance. Ah ouais? Non, c'est juste à côté, c'est à gauche. C'est la quête avant. Oh. Dommage. La 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 la. Quand j'étais petit, ouais. J'essayais d'éviter les poules. Ouais, pourquoi ça lag? Les mouffets, les couilles. Oh putain, j'ai un méchant freeze. Ouais, c'est la place de la truche. Ouais, je sais pas. Le truche fait laguer.
Ne faites ça pas, chat. Ne montez pas sur les trucs. C'est Papa Yo-Yo qui fait la yé. Regarde. Ah, truc sur son chapeau. C'est un marteau. What? Ah, mais c'est toi qui as tiré la boule de feu. Ah, ouais, dis donc. C'est moi qui ai tué ton kill en fait. Nous, c'est un fou, il s'est fait à la terra. Ah ouais, on se l'a fait à la terra ou pas? GG les kills. Ah ouais, allez, à la terra, hop. Attendez. Allez, venez. Voilà, il y a ma souris qui a bugué. J'ai aggro, 3 monstres, 4 monstres. Tout ce qu'il y a sur nous. Attendez, mais. Wouah. Prends l'aggro, je m'en fous, je peux me soin. Voilà, il y a ma souris, j'ai l'impression qu'elle a disparu. Waouh, c'est moi qui la voyais plus. Elle, j'ai aggro 50 mobs. Ouais, c'est bon, c'est bon. On est dedans. Je suis quasiment un massif avec une sorte de 9 sur 10. Moi 10 7. Sur 10, non. 7. Mais bon, ça me fait 10 P hein. J'ai rien. Aïe. Non, non, non. Allez, mais on c'est... trophée encore. On s'en fout. Attends, ça m'a gros là. C'est quoi ce bordel là? Faut pas aimer quand les gants bangent, je crois. J'ai obtenu le déçu déchiré. Pourquoi il a déchiré le tissu? Voilà. Parce qu'il est déçu. De la merde, ah, pas de la merde, ça. J'ai de l'autre côté. Bon, allez, go! Go! Oh putain, on parle pas Yo là. Putain, il fait chier ce Payou. Ouais, Papa Yo-Yo là, il nous donne tout le temps des quêtes avec son chapeau là. C'est un facteur le mec. Putain, mais j'ai mais... tout un mec quand non, 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 il, fait, il donne pas des quêtes facteurs moi. Minimum. Moi, c'est la classe Ishii. Vous avez vu ce groupe de Sobre Lion? Vous dites à Papa Yo-Yo que vous êtes occupé des instigateurs Sabre Lion. Les gobelins sont comme ça. Quand quelque chose les arrange, ils vont consacrer toute leur énergie à cette tâche. Ils s'y connaissent en machine, mais ils ont toujours des idées tordues. C'est pour ça que nous, les nains, nous sommes tellement plus doués dans le domaine qu'eux. Ce groupe de sabre lion, putain, j'ai jamais réussi à le dire. Sabre lion, c'est beaucoup mieux que sabre lion. Bref, semble organiser ses faits et gestes avec rigueur. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun de ces sabres lions n'a l'air d'être le chef. Ah ouais, qu'a terminé. Ouais. J'ai découvert où se trouvaient les pages du tome cérémoniel. C'est le chef de la tribu qui les a. Zanpis, vous allez devoir affronter le chef de la tribu Mekana et récupérer les pages manquantes du tome cérémoniel du croissant. Ramenez-moi cet idiot de chef gobelin. Il faut que nous l'interrogions afin de savoir où le chef de sabres lions se terre. Ouais. T'en maîtresse. Instance. Non. Toujours pas. Non, je l'ai vu tout à l'heure, chef. Mais enfin, dans le dernier épisode. Mais what? Mais il y a des murs invisibles de partout dans cette zone là. Instance. Qui n'aimerait pas les zones invisibles? Sérieux. Les murs invisibles. Coco. 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 Vite, faut pas que Pierre arrive. Ouais. Merde. Il putain, ça aurait été bien qu'on soit ce chef. Oh bah, attends. Ah non, j'ai pas eu. What the fuck? PGM. Ouais. Tu l'as pas touché alors. Bah, c'est pour ça que j'ai attaqué. Mécanique capturé. Faut faire quoi là pour le capturer? Haha, je l'ai dans mon dos. Je vais attendre. Hop. Ah, mais d'accord, faut le capturer. Ouais, normalement, faut le capturer. Pour qu'il lui parle. En moto. Voilà. Pas Yo-Yo, vous regarde. Vous regardez vous et le chef Mécana d'un air ravi. Mais... vous donnez les pages à Papa Yo-Yo et tirez le chef en face de lui. La phase. Ah, c'était limite. Silence. Ah mais je fais oh un trésor. Silence. Eh oh, pas si fort petit. Je croyais que vous les jeunes vous aviez un temps soit peu de considération pour vos aînés. Non. Le chef se tortille désespérément. Faudrait bien nous dire où se trouve le chef Sabre Lion. Sinon c'est bien plus qu'une pichenette qui vous tombera au coin de la joue. Les sabres lions, ce n'est pas vous qui avez repoussé les sabres lions. Le chef Mekana se décrotte calmement les oreilles, c'est dégueulasse. Il prend son temps, comme s'il n'avait pas conscience du danger imminent qui le menaçait. Papa Yo-Yo, peu satisfait... Pourquoi t'as ton bâton qui a encore disparu? Bref, peu satisfait de ce manque de coopération, commence à faire craquer ses doigts. Non, Pierre. On dirait que le chef Mekana n'est pas rassuré. Attendez, dites-moi clairement ce que vous voulez. Vous voulez parler du maître Arkael? Il a déjà brisé le sceau du temple et a amené l'adjudant à l'intérieur. Le chef Mekana baisse la tête, refusant de regarder Papa Yo-Yo dans les yeux. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est slam, Papa Yo-Yo, très étonné.
C'est une catastrophe. Nous allons être retardés. Une armée. Nous devons attendre l'arrivée de l'armée de la basilique. L'heure est grave. Vous essayez de calmer Papa Yo-Yo, qui a l'air très anxieux, en lui proposant de vous mettre seul à la recherche de ce Arkel et de le ramener. C'est vrai, étant donné que la basilique a scellé l'entrée de ce temple, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de très sérieux à l'intérieur. J'ai un mauvais pressentiment, dépêchons-nous d'entrer dans le temple de la pierre blanche et ramenez-moi ce petit malin d'Arkel et son adjudant. Accepté. Instance. Ouais. Ouais. Donnez, moi je me fais des mobs parce que je vais bientôt hop de level. Ouais non. Ah mais ça va être long. Bah, dans l'instance tout de suite. Ça va être long hein Pierre. Hein? Nous il nous reste 10% encore. Ah bon mais il me reste 2% 7... moi. Ouais, ah mais toi t'avais plus. T'as cheaté, là. Mais non c'est pas. Moi je suis allé dans le truc 5 joueurs. Bah attends Merde ouais, attends. Pareil. Mais ça change quelque chose ou pas? Oh oui. Oh, non, ouais. Écoute la musique. Oh yes. Attends, c'est la musique d'intro. Vite Pierre, rejoins-nous. Putain Nick t'as pris cher. Wouah. C'est quoi ce knife? Mais attendez, 5 joueurs. Ouais. Ouais. On est déjà 2. Mais au moins ça marche ouais. Ouais c'est bon. Ouais ouais. Oh GG. Oh, dépêche-toi de Noël, Pierre. Ouais, bon, toi, ah mais vous êtes... Waouh. Putain les galères. Ils font super mal. Putain. Attends je te guéris. Attends je te ressuscite. Putain mais je viens juste d'arriver. What the fuck là. C'est quoi ce bordel? Ah ils font carrément mal. Essaye de tenir. Ça met longtemps à ressusciter. Oh non. Putain mais j'arrive, tout le monde crève. C'est quoi ce bordel? Ah ils sont super puissants. Vous aurez dû m'attendre hein. Reste en sécurité. Bah tu savais pas moi. Et Lick il a foncé dans le tas. Mais non j'ai pas foncé, moi j'étais en train de spawn, j'avais pas vu quand j'étais devant. C'est bon si c'était juste à côté. J'ai pas bougé. On fait quoi, émerveille ou c'est quoi? Non si c'était en sécurité. Ah d'accord ouais. Faut attendre une minute en fait. Je vais sortir mon nid de long parce que ça a l'air assez chaud quoi. Non reste en sécurité tu fais. Ouais c'est... Mais ça fait rien en fait. Bah oui c'est quoi le truc. Sortir vos nids de long. Putain, ça fait des gommes. Première mort, hein, je crois, hein. Non? C'est ça, un peu ça. Ouais. On fonçait dans le tas. Mais vous êtes fous, j'étais pas prêt! On s'en fout! Mais quoi? Faut attaquer, Pierre! On en a, attends, on mais on va jamais avancer. Mais si je vous soigne pas, ça sert à rien. On attaque sur le même, on attaque sur le même. Moi j'ai des attaques essentiellement de zone, alors ça va. Est-ce que ça compte quand je vous soigne? C'est bon, j'en ai. Ouais. Ah ouais, ça compte, c'est les speed de personnage. Ouais. Oh, j'ai un bonnet de punition! Pareil, j'ai plein de trucs. Minerai de fer bleu. Un foulard niveau 30. What? Ah ça c'est une carte. Attendez Non mais c'est après c'est. Un bonnet de punition c'est de la merde. Et j'ai obtenu un truc. Ouais pareil, un minerai de fer bleu. Pareil. Et oh, un foulard mais niveau 30, pas encore. Putain je vais mettre ça là. Non attendez. Level up Non. Oh lui il peut mettre son truc niveau 30. On peut pas. Moi j'ai rien en level 30 de toute façon. Bah je viens de looter un foulard qui est un peu sympa quand même. Quel bon. Level 30 Link. Je sais pas moi j'ai un truc. Y'a un garde blindé là, il est ouais. Assez puissant. A mon avis cette zone elle est faite exprès pour plus puissant parce que c'est un truc que... Mais aussi tu mets 3 heures Pierre. Bah attends, j'ai sors de la zone. Merde trop tard. C'est quoi? Oh putain il y avait son. Ah bah attends parce que je vais regarder ailleurs en même temps. Je vais regarder les attention courbes. Zone rouge, cassez-vous. Putain, c'est pareil, je suis stun. Ça va pas ta zone rouge. Je stun. Bah, non mais t'es là, il a fait une grosse attaque. Zone rouge. Attention. Il leak. Leak. T'as cette parole, il leak. Il leak. Bah, je crois que je vais me concentrer que sur le leak, vu que toi tu étais de loin. Ouais. Bah, des fois je prends l'aggro alors faut faire gaffe. Quoi. Attends, je vais soigner ton nez de long. Violent. Je sais pas si je peux. Et Pierre, t'entends la musique? Bah non, parce que je l'ai activé, j'ai pas eu le temps. Oh. Et tout ce bordel. C'est la musique de l'intro. Active. Qu'on a mis. Ouais. Près de l'âge, voulu de musique. Parce qu'il y en a pas vraiment beaucoup des musiques Yura Kingdom et du coup j'avais pas celle-là. Si je la trouvais trop stylée. Moi ça me rampé. Ah non, c'est bon. Là, la musique de messe. Mais oui. Mais c'est la musique d'intro, Pierre. T'as pas dû ramener l'intro, Pierre. C'est si. Oh, regarde pas la vidéo. Oula. Vous pouvez attendre, je vais mettre mes compétences. Wow. Ah oui, ouais, mais tu l'as passé une nouvelle temps. Bon, j'ai envoyé mes esclaves moi. Putain, je prends celui de gauche. Moi, en
Quoi, taillade ou bon, poussière ça. Taillade, ça fait plus de dégâts. Monter la vitesse, comme ça j'aurai plus de soins. Ok. Là j'aimerais bien y réorganiser, mais je peux pas. Bon, c'est quoi ça? Attends. Jouer. Ah, faut attendre que le garde blindé il soit pas au milieu. Comme ça on attire les soldats mécanins. Ah, ça devient enfin intéressant là. Ouais, carrément, on dit, il y a de la difficulté, elle augmente. Mais non, j'ai fait le droit. Ah ouais, la musique. Pas que, mais bon, il est quand même assez simple dans l'ensemble. Pierre, t'es prêt, hein, vite? Ouais, c'est bon. Allez, go. Ok, reculez. Il y a l'autre là qui va arriver sinon. Encore. Non, tu fais pas trop de vilic. Je suis en plein milieu, moi, je suis un fou, moi. Là, il pique avec la musique. Ça va, lui qui perd pas trop de vie. Bah, what? Pourquoi y'en a un qui va prendre des deux longs alors? Ça, je fais cette attaque, j'adore, c'est des dégâts de plus. Ouais, il pique les instances. Ah, avec la musique. C'est tellement énorme cette musique. Je sais pas, j'entends plus moi. C'est moi, j'entends là. Ah, c'est. Elle est revenue. Putain, mais j'ai des loups de marteau. T'en es où? Il faut que ça arrête de me donner tout. Moi je loote rien, quasiment. Quasi. Pareil. Moteur, c'est lui qui prend l'aggro donc. Bah, qui va en avoir un qui mérite plus. Non, c'est censé être partagé, je crois. Non. C'est si on combat tous. Oh putain, je suis dans la zone rouge. Non, on combat tous le même. C'était dans la zone rouge. Putain. Je l'ai vu qui s'est mal mis. Ah ouais. Je la vois pas des fois la zone rouge. Ah ouais? Bah, éloigne un peu ton personnage. Non. Pas... Mais des fois je la vois mais il est pas tout le temps. Mais par contre là il m'a complètement pris en aggro. Zone rouge, zone rouge. J'ai vu là. Bah ça va. Il est en mauvaise position là. Bah c'est de... quand t'es en bas des escaliers. Attention, zone rouge. Ouais. Ah il m'a touché. Putain il m'a stoppé. J'en ai remarqué un truc, on peut pas utiliser le truc avec les deux longs là. Mais si, j'ai pu utiliser. What? Bon bah je peux pas. Il est en train d'attaquer là. Voilà là. Ah mais il se fait stun super vite. Il a presque pas le temps d'attaquer. Ah bah je l'ai fini avec l'attaque de les deux longs. Moi je peux pas l'utiliser. What? De quoi? Ouais, mais si c'est pas parce que je les ai envoyés. L'attaque 6, moi je comprends pas comment faut faire pour l'utiliser. Faut l'utiliser comme potence super bien les groupes d'armes, c'est pas là. Je sais pas, c'est l'arme. L'attaque 6, mais je sais pas c'est quoi ton attaque 6, Pierre. C'est l'attaque avec les deux longs? Bah c'est la nouvelle attaque que j'ai appris. C'est un peu what the fuck. Ah. Ouais, non, après une attaque niveau 30. Attends, fais voir. Ouais. Ouais, mais non, c'est pas grave. C'est, je vais continuer avec mes 30 points. Allez, on verra ça nous. On passe à nous. Oula. Qu'est-ce que t'es faux? Bah, j'ai pris l'aggro. Le marteau, il va aussi c'est le seul moyen, tu vas me dire. Faut bien que je pose des pièges aussi de temps en temps. Putain, tu prends cher. Ouah, minerai. Ouais, pareil. Il y a plein de putain. On en obtient tout le temps. Attendez, reculez. Attendez, j'ai oublié d'invoquer mon nez de long. Merde, il est rodé. Zagro. Attaque. Ok. On va travailler. En mode fuck the police, moi je pose mes pièges. Le fou. Je crois qu'on va devoir s'arrêter en plein milieu de donjon, ça va être épique. Zone rouge, attention à vous. Oh merde, ça a l'air de durer. Moi je l'ai pas vu. Ah ouais. T'as que dans les options t'as désactivé un truc. Non, je pense pas. Non, il y a des fois je la vois. Mais what? Attendez, je soigne les deux longs. Si. Pourquoi j'ai la vie qui est là? What the fuck? T'as dû déplacer, je pense. Non. Là. Non, c'était vraiment les deux longs. C'est peut-être pas bon. Les zones pistes, t'as plus ton nez de long. Ouais. What? Oula, ça va pas. Ouais, mais ok, votre nez de long, on sait jamais. Ouais, bon, c'est bon. Ouais. Attends, je soigne ton nez de long. Ah, y'a des. Y'en a beaucoup. Ah, c'est con, on peut pas aller. C'est dommage, hein.
Il y en a beaucoup là. Ouais. Il y a un robot là, ça, au fait. Ça gaffe. Va être long encore. Faut les... Ouais, les attirer. Attirer les derrière, 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 derrière. Ça va être long encore. Hein. Putain. Tant mieux, plus c'est long, plus c'est long. Ouais. Leak, recule, recule, parce qu'il y a le robot qui arrive là. Un peu de challenge, ça change, c'est bon. Putain. Bah voilà. Ah non, il reste un. Non, mais n'empêche, il. C'est pas compliqué, mais qu'on dirait, faut être bien attentif et tout. Ouais, ouais, c'est hardcore. Hein. Mm. Moi je pourrais pas. Waouh, pourquoi tu. Ouais, j'étais super lent. J'ai en mode du. En bas, y'a pas d'ennemis en bas. Non, c'est bon, non. On a fait le tour là. Non, mais on peut pas aller dans l'eau. Y'a encore un garde. Attention. Attirez-le vers. En arrière. C'est ça, zone rouge. Oh, putain. Zone rouge. Ouais. J'ai vu. Ah, et je vais te l'éviter. Zone peace. Le skiller. Non, zone rouge, zone peace. Oh. Étonnant. Y'a pas rodé ça. Oh, zone rouge. Oh, moi je pose des pièges en plus. J'ai un petit zone rouge. Oh, rien de foutre. Je pose des pièges moi. Ça le gèle. N'empêche l'instant ça donne pas autant de dispect que ça, mais c'est pas mal. Ouais, mais c'est plus temps quand même. Ouais. Bah 1500 à chaque mob. Ah ouais. Arcadeur c'était 500. Ça va. Ouais, ouais, il y a quand même 1000 points de différence. Bon. Je suis lundi. Ah, attention là, fais attention, derrière il y a des ennemis. Ah ouais. Attirer, je sais pas comment on va faire parce que là c'est un peu galère avec les escaliers. Il y a un garde qui passe là-bas. Ouais, ouais, comme ça. Ouais, c'est on les combat ici. Je me prépare sur le leak. Voilà. Plutôt sur moi. Ouais, plutôt la grande. C'est moi qui. Bah ouais, parce que c'est moi qui les ai attaqués en premier. Là je fais ma lame pas plus lente, comme ça je les touche sur tous. C'est bon ça. Ah, je vois rien. D'accord, la caméra elle est un peu bizarre des fois quand on se passe. Je suis en train de prendre des dégâts moi. Ouah, je suis ralenti à mort. Ouais, oh, c'est... Oh, c'est les mobs qui te font un effet. Ça doit être ça, je pense. Ouais. Là, je me soigne les Delons, il y a une petite barre des Delons en bas. J'avais pas vu. What? Une légende aînée, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? J'ai une quête qui s'est activée toute seule, j'y vois plus rien. J'ai vu. What? C'est bon, y'a plus d'ennemis? Ouais. Non, non. Attendez, faut que je lise la quête alors. Là, le soldat de la ville sainte qui s'amène et tout. Parfait, vous êtes là. Suna est tombé sur une personne des plus sournois. Ses intentions semblent impliquer l'énergie de Gaïa. Elle espère qu'un envoyé de Gaïa pourra s'y rendre pour examiner la situation. Un soldat à bout de souffle vous agrippe le bras et essaie de vous dire quelque chose. Pfiou, je sais pas pourquoi c'est si faible, mais c'est bien de l'énergie de Gaïa. Elle semble vous provenir de la colline du croissant. Là c'est des coordonnées mais je les vois pas parce qu'il y a des machins. Non, en fait c'est, ouais, c'est, pour ça. C'est le temps des longs. Zulong semble également ressentir l'énergie de je sais pas quoi là. De vous précise d'où elle vient. Nous ferons mieux de nous dépêcher si on veut savoir de quoi il s'agit. Vous ne savez pas si cela a un rapport avec la source. Ok, donc c'est une petite quête comme ça. On va juste augmenter nos trucs. Pourquoi ma vitesse elle a baissé? Ah parce que j'ai changé d'équipement. En plus c'est vite le bordel hein, quand il y a plein de mobs. Un peu ouais. Ça je ferais bien en boucle cette instance. Avec la musique derrière. C'est la musique de... Moi je suis vers les trucs de prêtre. Prêtre. Faut que j'apprenne à parler. Ouais. The fuck. Bon, accepté, voilà. On fera plus tard cette quête niveau 30. Et. Niveau 30, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut voir ça, non? Bonnet de punition. Ouais, j'ai rien. J'ai plein d'items. Ouais. On en est où niveau temps? Ah! C'est, ça fait 25 minutes. On va s'arrêter là pour cet épisode. Hein, donc on a commencé le donjon, donc on va continuer par là, je pense. Voyons voir la carte, on peut pas la voir en entier. Non. Ah, on est presque au premier boss. En fait, il y a après, il reste presque. En plus, il y a deux boss, je crois.
ou 3. Putain, non, mais... peut-être ça, non. Si, ouais, il y a deux boss plus un final. Oh, yeah. Ouais, on va il connaît presque au premier boss, donc là dans le prochain épisode, je pense qu'on arrivera quand même à faire tout le donjon. En plus, il y a mes Edelons qui sont revenus, je vais pouvoir utiliser le pouvoir des Edelons, ça va chier. Bon allez, on se dit à vendredi. Que j'aime. On se dit à vendredi pour le prochain épisode de Aura Kingdom. Ah ouais. À prochaine.